ワンピースマーニングブラッド。Ouh, ça a l'air bien. Yaya YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir les amis pour une vidéo découverte, une vidéo détente sur la démo de One Piece Burning Blood, édition FR, et je tiens à le stipuler puisque les amis, le jeu est quand même disponible depuis pas mal de temps sur le marché japonais de la PlayStation. Mais voilà, j'avais la flemme de récupérer mon compte japonais de ma PS3, ma PS4, de mettre toutes les mises à jour, de retourner sur le marché pour télécharger la démo et voir ce qu'il y avait d'autre au cas où. Et du coup, depuis peu est disponible la version FR de la démo, et ça, ça fait très très plaisir. C'est donc un jeu de combat reprenant l'univers de One Piece, et franchement c'est pas mal. J'ai eu l'occasion de tester le jeu au travers de à peu près 10 combats. Il y a 4 personnages dans le jeu. Il y a Luffy, il y a Ace, il y a Aokiji, un amiral de glace de la marine, et nous avons Franky de l'équipage du chapeau de paille. Ça sort chez nous le 3 juin 2016. On est actuellement le 14 mai pour la démo, pour ceux que ça intéresserait. C'est édité et développé par Bandai Namco. Et franchement, le jeu a de bons points. J'avais pas du tout l'intention d'acheter ce jeu. Je n'avais aucun intérêt à l'attendre. Et pourtant, j'avoue que ça m'a fait plaisir de me détendre un petit peu dans cet univers. Il faut savoir que de mon côté, j'ai suivi la série jusqu'à l'île des hommes poissons. Donc tout ce qu'il y a après, je ne connais pas bien. Je connais juste l'arc un petit peu avec Doflamingo parce que j'ai pas mal d'amis qui m'en parlent. Mais pour le reste, c'est un petit peu niet, nada, vide. Bref, le jeu de combat est disposé ainsi. Il est possible de se construire une équipe jusqu'à 3 personnages, incluant bah, du coup les 4 personnages disponibles dans la démo. Et du coup, c'est un petit peu le premier défaut que je trouve au jeu en soi, parce que il n'est pas possible de faire un vrai 1v1 sans acolyte. Et ce n'est qu'un détail, mais j'aurais bien voulu tenter le coup, et malheureusement, c'est pas possible. Alors, déjà en termes de graphisme, c'est super beau, on est sur PS4, ça se sent. Les temps de chargement sont super rapides, donc ça, ça fait aussi plaisir. Et les animations sont super bien animées. Alors, je vais faire mon équipe favori, donc on a Luffy, on a ensuite Ace pour la seconde place. Et en troisième place, celui que j'aime bien prendre en général, c'est Franky, parce qu'on reste dans les héros du jeu. Aokiji, en soi, si j'ai bien compris, est un héros, tout en étant un méchant, un renégat, tout ça, tout ça. Son histoire, je la connais pas bien, donc je m'éternise pas dessus encore une fois. Une fois que mon équipe est construite, je peux appuyer sur Start pour progresser. Et là, voilà enfin le temps de construire l'équipe de mon adversaire. Alors en général, je me prends pas la tête. En appuyant uniquement sur Start, on peut construire son équipe automatiquement. Et là, se lance un combat dans l'arène de Dressrosa, le Colisée Colida. Alors, il me semble, si j'ai pas n'importe quoi en tout cas, que c'est une zone disponible dans l'arc de Doflamingo. Alors, je dis ce qu'on m'a dit au lycée, hein. S'il vous plaît, me tapez pas sur les doigts si je dis n'importe quoi. Pendant le temps de chargement, il est possible de voir les touches du jeu. Ça se joue, si je devrais comparer, un petit peu comme un Naruto en fait, à la manière d'un Naruto Ultimate Ninja Storm, avec la touche d'attaque rapide qui se fait avec triangle, la touche carrée qui permet les attaques normales, croix c'est donc pour sauter, rond c'est la garde, et ça c'est pas commun. C'est pas commun en soi, parce que j'ai trouvé que c'était pas le bon emplacement pour moi. Après, libre à chacun de choisir comment il adapte mieux le jeu. La touche R1, c'est donc une libération d'aptitude qui permet, en combinant avec une autre touche, de faire de sacrés dégâts. Et je vais vous montrer en jeu. La touche L2, ça nous permet de permuter avec le personnage à ma gauche. La touche R2, bah, le personnage à ma droite. La touche R3, quand notre jauge est à fond, ça nous permet de d'embraser notre personnage pour le rendre super puissant et super badass. Et la touche R3 pendant l'embrasement, c'est-à-dire une fois que j'ai déjà ma fure activée, ça nous permet d'activer un coup extrêmement puissant appelé le coup suprême ou la fatalité, tout simplement. Alors, on perd pas plus de temps dans le chargement, je vous laisse la petite intro et je vous retrouve juste après. Alors, une fois la fiche technique de chaque personnage passé, on remarque un point que j'ai trouvé amusant la première fois, c'est qu'il est possible d'avoir de nouvelles intros et de nouvelles discussions avant chaque combat au travers des personnages qui s'affrontent. C'est simple en fait, quand tu mets deux personnages qui ne se sont jamais affrontés avant, ils ont droit à une nouvelle discussion et du coup ça apparaît comme étant un nouvel événement du jeu. Alors, on a un escargophone qui nous rappelle un petit peu les règles et comment on joue. Donc, avec R1, on peut libérer des aptitudes, aptitudes qui ne servent pas uniquement quand on active R1, mais plutôt quand on les combine avec d'autres touches. L1, ça sert donc à activer plusieurs attaques disponibles avec
triangle, carré et rond. Alors j'essaye de, comment dire, d'expliquer le jeu en même temps que je cours. C'est pas évident parce que vous voyez mon adversaire est énervé et du coup t'as jamais le temps de faire quoi que ce soit. Croix c'est donc pour sauter, carré c'est les attaques lourdes, triangle ça fait des attaques un petit peu plus rapides et beaucoup plus simples d'enchaînement. Rond c'est donc la défense qu'on peut enchaîner avec le joystick pour faire des esquives. Alors par contre je vais tenter de me défendre un peu quand même parce que pour le moment voilà je me fais balayer. Donc essayons de mener un petit peu le game. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai appris. R2 et L2 c'est donc pour permuter tout simplement. Et du coup je vais prendre Ace, celui que je maîtrise globalement le mieux, pour tenter de gagner ce combat et de pas avoir la risée sur toute ma chaîne. Bien mon petit Ace, montre moi ce que t'es capable de faire. Non par contre s'il vous plaît, voilà, je veux Ace. Alors par contre des fois j'ai le mauvais réflexe d'appuyer sur R2 en croyant que ça va faire un combo alors que finalement ça ne fait rien du tout. Et malheureusement même après ma petite dizaine de combats que j'ai fait dans le jeu, j'ai encore du mal avec la touche de défense. C'est pas une touche qui pour moi est naturelle. En général dans les combats c'est soit tu fais joystick arrière et tu te protèges, soit bah tu as une touche beaucoup mieux que ça, comme R1 ou R2 ou L1 ou L2, et pas une touche implémentée dans le pad quoi. C'est super bizarre. D'ailleurs vous l'avez vu, le jeu de combat est donc disponible dans un univers 3D. C'est très très beau, c'est très très fluide. Et bah c'est tout ce qu'on veut tout simplement. Alors attends, toi, je vais tenter de te botter les fesses. Ah oui, il fallait que je vous montre aussi. Alors, imaginons que j'utilise une technique spéciale de Ace, qui est donc le shotgun de flamme, le pyrogun. Non, le pyrogun, voilà, donc c'est ça que je cherchais. Qui se fait donc en appuyant sur L1 et triangle. Voilà, donc j'ai pas du tout réussi à le faire. Tu seras gentil de me laisser l'activer. Voilà. Donc imaginons que je fasse cette première attaque. Vous voyez, c'est une attaque spéciale. Elle a rien de, bah, de plus qu'elle devrait avoir. Par contre, si j'appuie sur L1, R1, donc R1 qui permet de m'embraser, qui permet d'utiliser mes aptitudes, il est possible d'augmenter cette attaque et de la rendre beaucoup plus furieuse. Yeah ! Olé ! Voilà, embrasement du dragon, des ténèbres, de tout ce que tu veux, de la mort. Et du coup, voilà, ça permet de faire pas mal de choses et d'augmenter son efficacité et son nombre de combos. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que du coup, les combats sont en 200 secondes et j'ai déjà gâché la moitié du temps sur les explications. Alors, vous inquiétez pas, on va refaire un autre combat au moins, histoire que je puisse tout vous montrer. Mais le jeu, franchement, en soi, a l'air d'être plutôt pas mal. Je sais pas ce que va proposer l'histoire principale, si ça va être que des combats, si on va avoir un mode aventure ou quelque chose dans le genre. Mais franchement ça donne envie. Alors je vais tenter de vous montrer un truc. Un truc que j'ai découvert très récemment dans, je crois, mon avant dernier combat avant de commencer cette vidéo. C'est la furie. Et là attention les amis, parce qu'il y a du spectacle. C'est parti. Ouh, ok, j'ai activé le gear 4. Et à partir de là se déclenche tout un tas de techniques qui font beaucoup plus mal, qui sont beaucoup plus stylés. Et les déplacements de Luffy en mode balloon sont juste ridicules. Moi, ça me fait trop rire. Ok, tu veux te la jouer balloon? On va se la jouer balloon. Viens te battre! Ah ouais, enchaînement, mon pote! Voilà! C'est moi qui fais le coup à papa. Et donc du coup nous nous retrouvons Luffy contre Luffy alors que mon ennemi n'a plus beaucoup de vie. C'est en fait sa barre verte que je suis en train de liquider depuis tout à l'heure. La barre bleue, je sais pas ce que c'est, peut-être l'endurance, peut-être la capacité à pouvoir faire des attaques spéciales. En tout cas je l'ai pas encore vu se vider réellement, donc je peux pas vous dire réellement à quoi ça sert. Et on voit du coup que j'ai gagné. J'ai gagné ou pas? C'est un match nul. Alors par contre il y a quelque chose que j'ai pas compris au niveau des matchs nuls. C'est arrivé deux fois. Deux fois que je me suis retrouvé dans une situation où j'avais encore deux personnages en vie, lui en avait un seul, et ça a été compté comme un match nul. Deux fois. Alors je sais pas si ce sont des mauvais réglages, si ça prend en compte la barre de vie des personnages cumulés, mais c'est bizarre. Bref, on va refaire un combat, on va revoir un petit peu ce que tout ça vaut, et cette fois-ci je vais tenter d'exterminer l'ennemi. Donc voilà, on a encore de nouveaux événements qui débute, et donc du coup cette fois-ci de nouveau en compagnie de ma fine équipe on va tenter de rattraper le game. Alors on va changer tout de suite, voilà, on va prendre Franky que j'aime beaucoup utiliser avec ses capacités de cola qui se consomment du coup par rapport aux autres et qui font pas mal de dégâts. Alors attends, viens là, voilà, bra canon. Ok,
Voilà. Alors même moi je continue de découvrir des choses, hein. Il y a des combos qui sont encore jamais sortis de ma part, donc pour moi encore c'est de la totale découverte. Franchement, le jeu a de bons atouts, je sais pas à combien il va sortir, je n'avais aucunement pensé que je me l'achèterais sûrement, mais vu comment c'est parti, il est possible, je dis bien il est possible, qu'à l'occasion, si le jeu commence à baisser aux alentours des 40€, je puisse vous proposer un jeu. Parce que franchement, ça a l'air de proposer pas mal de choses. Peut-être par contre qu'il faudra que je révise mes classiques avec un petit peu d'animé pour moi sur One Piece, histoire de voir où en est la série actuellement. Voilà, donc, on va permuter un petit peu. Donc là, je m'en sors plutôt pas mal. Il faut savoir que ça a pas du tout été le cas sur les 4 premiers combats que j'ai gérés, dont des matchs nuls d'ailleurs. Et non, franchement, au début, j'ai vraiment eu du mal à prendre le jeu en main. Peut-être parce que je joue beaucoup trop aux jeux de combat en général et que du coup, à force de changer, bah, j'ai un petit peu du mal. Mais non, une fois que c'est rentré, par contre, c'est rentré. Voilà. Il y a des combos aussi qui sont très animés et ça, ça fait super plaisir. Alors attends, parce que du coup, je vais m'embraser. Et là, on va jouer le Pillow Gun. Ok. Alors par contre, le Pillow Gun embrasé fait n'importe quoi. Alors que si je fais un Pillow Gun tout classique, voilà, il tire tout simplement tout droit. Je pense que les effets d'embrasement, tu vois, vu que ça permet de tirer un petit peu plus aux alentours, je pense que c'est pas mal dans le cas où l'ennemi est pas mal rapproché. Voilà. Je te shoot sur place, moi. Oula. Par contre, je me suis pris un petit embrasement. Ça fait pas trop le plaisir. On va prendre la fille, voilà. Et on va bientôt se rapprocher de la furie que je vais tenter cette fois-ci d'utiliser. Voilà. Avec Franky. Oui, 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 oui. Ok, Franky, mode Megazord. Oh, j'adore ce robot. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce personnage, de mon point de vue, c'est que j'ai pas aimé la phase 2 ans plus tard où on l'a retrouvé complètement modifié. Par contre, son Megazord, je le trouve toujours aussi badass. Et ça, moi, j'adore. Alors, on a la rafale de coups qu'on peut faire tout autour de nous. C'est donc une technique d'aggro en soi. Et... Non ! J'ai pas eu le temps d'activer ma furie ! Général Cannon. Voilà. Et ça, on apprécie, parce que l'ennemi il bouffe. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'essayer d'activer son coup suprême, si possible juste après que l'ennemi ait activé le sien. Comme ça, en gros, ça vous laisse l'avantage. Et c'est lui qui prend en général le coup. On va tenter un coup cola. Voilà. Ah, je me suis pris une pêche. Ok, il faut que je élimine des personnages en attente. Voilà, c'est ce que je voulais. Sinon voilà, une fois que le jeu est bien pris en main, franchement, ça se laisse jouer. C'est même très très appréciable. Et une fois qu'il y aura beaucoup plus de personnages, que le bestiaire complet sera déverrouillé à la suite de la sortie du jeu, je pense réellement que le jeu va vraiment apparaître avec une super note et un super bon point. Surtout en multi, je pense venir des compétitions sur ce jeu. Ça a été une bonne surprise pour moi au travers de cette démo. Et franchement, je pense qu'on se retrouvera au moins plus. Et franchement, je pense qu'on se retrouvera pour quelques vidéos encore sur le jeu le jour où je me le procurerai. Bon, par contre, t'es gentil. Tu peux me laisser faire ce que je veux avec toi. Mais il est chiant. T'es pas gentil. Pillow Gun. Voilà. Je t'enchaîne de loin, mon pote. Putain, ce serait bien par contre que je puisse lui éliminer un personnage comme ça. Oulala. Oulala, oulala. J'aime pas quand il active le mode disco. Je sais pas ce que ça fait, mais ça donne pas envie. Ok. Viens mourir. Voilà. Bon, par contre, j'arrive pas à lui faire du mal. Allez. Plus que 10 secondes. Plus que 10 secondes. Plus que 10 secondes. Voilà. Marteau balloon. Ou tout ce que tu veux d'autre. Je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, c'est le temps écoulé. Et du coup. C'est le match nul, 2 fois de suite. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo détente et découverte sur One Piece Burning Blood. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Sûrement qu'on se retrouvera de nouveau pour des vidéos sur le jeu. Alors sûrement pas par contre à sa sortie, parce que j'attends déjà Mirror's Edge qui sera ma priorité du mois. Mais à l'occasion, je vous le dis, si le jeu baisse et que j'ai un petit peu de place sur la chaîne, je pense que le jeu sera le bienvenu. Je vous fais donc de très très gros bisous. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. C'était Sean Kazma. Et à vous, ciao.